Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir le petit colis comme ceci. Il est trop beau. J'ai déjà eu l'autre de mes deux livres. Voilà. Ici c'est le grand format. Voilà. Du coup on va s'ouvrir ça comme d'habitude. Normalement j'aurais vu l'autre vidéo avant. Du coup, vous avez déjà vu les goodies. J'arrive pas à l'ouvrir celle-ci. Voilà. De celle avant. Hop, hop, hop. Du coup, comme toujours, les petits marque-pages. Comme la box. Désolée si vous entendez mon téléphone. Après, ça c'est le petit formulaire. Enfin, on sait déjà. Pas pour vous peut-être. Le petit agenda, c'est le même que l'autre. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire de mais c'est pas grave, je donnerai peut-être à quelqu'un. Voilà. Après, il y a le bic, comme je vous ai montré. Hop, le petit bic qui est marqué petit colis, mais ça m'ennuie que vous voyez pas. Il est marqué où, petit colis? Juste là. En fait, il est marqué gris et le rouge reprend vraiment bien. Et c'est un bic, et si je me rappelle bien, il est écrit bleu. Voilà. Et du coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est là. Bon, je suis encore un peu déçue parce que en voyant ma boîte, c'est pas un grand format pour moi. C'est un format normal. Ils sont où les... J'ai eu celui-là et c'est le même format. Vous voyez, c'est le même format. Pour moi, c'est pas un format poche. Enfin, un format... un grand format. Un peu déçue. Du coup, ici, il n'y en a qu'un. On va le découvrir. Je vois rien. Hop. Voilà. Je l'ai voulu l'acheter. Je l'ai vu hier, j'ai voulu l'acheter mais je l'ai pas pris. Coup de foudre de Kim Proko. Kim Proko, voilà. Ça a l'air pas mal. Il y a aussi beaucoup de pages. Enfin, je pense. 330. Non, ça va encore. Voilà. Mais il est beau. C'est de Tamara Balinia. Au piment. Voilà. La pochette est jolie, orange, comme le bic. Du coup, je vais regarder. Je vais vous lire un tout petit peu le résumé. Voilà. Je suis désolée, mais je tousse tout le temps. J'ai fait la même chose dans l'autre vidéo. Vous allez voir ce que j'ai fait à la suite, comme je les ai eu tous les deux en même temps ce matin. Enfin, cet après-midi. Parce que là, il est. Quelle heure qu'il est? Il est 2h et je l'ai eu à 1h, mes petits colis. Du coup, voilà. Allez, on commence par le petit résumé de la quatrième page. Coup de foudre. Entouré d'amis... je suis désolée. C'est moi qui ne va plus. Déluré de sa famille. En plus le reflet, une brique en voyant Amy adoré grâce de son café. Mais sa vie amoureuse est désespérant vide. Lors d'un dîner, elle rencontre le troublant lieutenant, mais le nom est encore imprononçable, McGrath. Le lendemain, son café est braqué et la serveuse Amber disparaît cherchant de l'enquête. McGrath est déterminé à trouver le coupable et de se séduire la jeune femme. Pour retrouver Amber, Amy s'avoue dans le quartier malmené. Oh là là. Et il rencontre Cole. Et le chef garde de très séduisant. Entre le grand idéal de ses grantés, suffit le cœur d'Amber Balance. Elle va devoir choisir entre deux mecs si je comprends bien.
Voilà. C'est un peu spécial quand même. Si je comprends bien le résumé, sa vie est amoureuse mais vite. Elle va trouver un garçon, enfin une rencontrer un garçon, mais McCartney, je sais pas quoi son nom, si c'est bien prononcé, mais enfin soit. Désolée si je prononce pas bien. Et elle va se dire, est le chef de gang, très séduisant. Voilà, on verra. Si je le lis, je sais pas, j'hésite encore. C'est pas ce qui m'attire le plus là. D'avoir lu le résumé, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je trouve que juste la couverture est jolie. Je pensais que ça allait parler de confiserie, comme il y a des bonbons. Ben, ça parle de café. On verra, d'amis, d'amoureux. C'est plutôt mon style. Je sais pas. Je vous dirai ça dans un prochain résumé. J'aimerais bien faire un résumé parce que j'ai lu 12 livres aussi. Mais le problème, c'est que je les ai rangés et. Je sais plus atteindre. Enfin, pour le moment, j'ai pas accès à ce coin. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Mais j'ai peut-être. J'en ai peut-être un qui me reste ici sous la main que je vous montrerai. J'ai quand même lu quelques livres l'année passée. Je voulais aussi faire un bilan de mes livres que j'ai lus l'année passée. Mais j'ai pas envie de commencer à chercher dans toutes mes boîtes. Parce que souvent je les remets dans les boîtes de petits colis quand je les ai lus et je les mets en place. Et voilà, quand j'ai pas envie d'ouvrir tout et de rechercher après, je vais peut-être juste vous faire la palme de livres à lire pour l'année 2020. Ça, c'est prévu. Je pense que je vais la tourner peut-être après ou demain, mais dans ces moments-ci, quoi. Vous l'aurez. Et voilà. Dites-moi, est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez l'intention de le lire? Par contre, celui-ci, il n'est pas marqué de prix dessus. Mais j'ai été hier chez Club. Je pense qu'il est à entre 10 et 15 euros le livre. Voilà. Bon, voilà. J'ai tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour de tousser. Mais cette toux ne veut pas partir et ça me m'énerve plus que autre chose. Si ça va pas, je vais retourner. Mais j'ai vraiment un truc ici qui veut pas partir en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà dit de mettre un petit commentaire et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bye.